Carlos! 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 Ça y est, Montero. Avec ça, tu vas enfin aller en prison. Tu peux fuir, mais tu ne peux pas te cacher. À quoi vont te servir les papiers quand tu seras mort? Et si je m'étais trompée avec cette fille? Madame, s'il vous plaît, appelez la police, je vous en supplie. Doucement, ma sœur, doucement. Vous pouvez appeler qui vous voulez, moi je vais l'emmener avec moi. Et si cet homme n'était pas vraiment son frère? Bon, après tout, ce n'est pas mon problème. Mais par contre, combien de femmes sont dans la rue comme ça? Perdues, sans personne. Et celle-là, que j'aurais pu sauver, alors qu'on veut retrouver Camilla, mais elle se cache. Bien entendu, je suis sûre que si elle me voit dans la rue, elle s'en ira en courant dans un autre endroit. Et à juste titre. Si j'étais elle, ou la fille du jardinier, ou Amélia, ou... Hernan... Moi aussi, je fuirais en me voyant. Je lui ai fait tellement de mal à cette fille. Mais je ne peux pas me laisser abattre par la première embûche qui se met sur ma route. Je ne suis pas intéressée par Camilla qui a voulu jouer le rôle d'une fille rebelle. Cette autre fille avec ce malheureux visage ne m'intéresse pas non plus. Avec son frère qui doit être plus fou que ce qu'il dit d'elle. Ah, d'où je la connais? Et pourquoi je devrais la reconnaître? Mais c'est que son visage, je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Qui sait? Je m'en fiche. Hernan est le seul qui m'intéresse. Lui, c'est le seul qui me comprend. Le seul qui me supporte. Et même s'il peut s'énerver contre moi parfois, c'est le seul qui m'ait jamais aimé. Bon, arrête. Mariana, arrête. Que t'arrive-t-il? Depuis quand je commence à avoir de bons sentiments? Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. N'oublie pas que la seule chose que tu veux, c'est ta fortune et le retour de ton mari. Ah, allez, je vais prendre une douche et je vais dormir en paix. Oh, et demain, je retournerai chercher Camilla. Allez, je dois la ramener auprès d'Hernan pour voir s'il peut me pardonner. Oh! Je l'ai semé. J'ai semé cet imbécile. Ignacio, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé les documents. Écoute-moi, Carlos. Ignacio, organise-moi un rendez-vous avec le juge. On doit les remettre à tout prix au tribunal. Carlos, écoute-moi, s'il te plaît. Tu dois aller chez toi. Que s'est-il passé? Il s'agit de ta mère. S'il te plaît, va la voir immédiatement. Mais avec tout le respect que j'ai pour vous... Arrête, Clarita. Arrête donc de me parler de cette histoire. Alors, que vas-tu me réclamer maintenant? Oh, c'est bien que vous soyez prête, parce que ce que vous avez dit à la pauvre Madame Marissa sur ce qu'a fait le jeune Carlos, qu'il a été chercher ce monsieur Louis, eh bien, c'était mal. C'était vraiment très mal. Regardez-moi celle-là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, oh, et maintenant vous m'insultez, c'est ça?
Qu'est-ce que tu as, imbécile? Non, qu'est-ce que tu as, toi? C'est toi qui es allé à mon bureau voler des papiers. Non, je suis allé à ton bureau pour récupérer des papiers qui montrent ce que tu as fait avec ma banque, Louis. Tu sais très bien que ça peut me faire couler. Ce que je cherche à faire. Parce que tu as réussi à détruire tout ce que j'aime. Et je ne regrette rien du tout. Pourquoi tant de haine, Louis? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi t'es-tu acharné comme ça sur notre famille, hein? Ta famille n'a jamais été aimable avec moi. Louis, on t'a tout donné. On t'a tout donné. Ma mère n'a rien fait de plus que t'aimer, que te vénérer. Elle t'a même créé un hôtel pour que tu continues de vivre. De tout temps, ta mère m'a considéré comme un homme objet. Elle m'a toujours vu de haut. Et si on parle de toi, depuis tout petit, tu me détestes ou pas? Dans le cœur d'un enfant, il n'y a pas de place pour la haine, Louis. Je ne t'aimais pas beaucoup. Mais tu espérais quoi? Je venais de perdre mon père, et toi tu es arrivé! Bien sûr que je n'allais pas t'aimer. Que voulais-tu que je fasse? Que tu m'acceptes. Que tu comprennes que j'étais le nouveau mari de ta mère. Ah! J'étais qu'un enfant, Louis! J'étais qu'un enfant qui venait de perdre son père, et toi t'es arrivé pour prendre sa place! Particulièrement toi, qui est incapable d'aimer quelqu'un. Tu devais être un père pour moi. Et tu n'as été qu'un démon qui a détruit tout ce que j'aime. Tout. Tu as essayé de tuer ma mère. Tu l'as trompée. Tu as causé tout le mal du monde à la personne qui m'a donné la vie. Tu as envoyé l'amour de ma vie en prison. Tout ça pourquoi? Tu as tué ma nourrice, Louis. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu m'as fait tout ce mal? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne suis pas en train de t'insulter. C'est un proverbe. Parce que toi aussi, tu as dit à Carlos que Monsieur Louis avait tué sa nourrice Rosario, n'est-ce pas? Ah, mais ça, c'est totalement différent. Comment pouvez-vous comparer? Différent quoi, dis-moi? Eh bien, avec cette information, le jeune Carlos n'allait pas risquer sa vie. Bien sûr que si, Clarita. Depuis que tu lui as dit tout ça, le pauvre n'a vraiment pas pu se reposer et il ne trouve pas le moyen de faire payer ce monsieur Louis. En plus, je lui ai dit ce qui était arrivé à sa nourrice longtemps après que ça se soit passé. Alors que vous, vous lui avez raconté l'histoire sans avoir laissé couler l'eau sous les ponts. En plus, Carlos est parti chercher ses fichus papiers. Comment voulez-vous que Marissa ne fasse pas de malaise? Ah, donc maintenant, tout est de ma faute, n'est-ce pas? Attention, ne va pas te brûler. Eh bien, en tout cas, quelqu'un doit être prudent ici, madame. Et ce n'est pas vous. Je peux vous dire que ce n'est pas vous. Allez, Clarita, laisse-moi tranquille. Pourquoi, Louis? Pourquoi? Pourquoi tu nous détestes tant, Louis? Je n'ai jamais fait partie de ta famille. Jamais il n'y a eu d'amour pour moi. Alors ce n'est plus l'heure de réclamer. Toi, tu as grandi en me rejetant. Tous ces mois au cours desquels on a partagé notre lit, et je ne suis pas tombée enceinte, ça ne veut rien dire pour toi. Eh bien, je suppose que c'est à cause des pilules que tu prends, ou du stress. Si je ne suis pas tombée enceinte, c'est parce que je suis stérile. Tu étais ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. Je pouvais tout te donner. Et au lieu de ça, tu as préféré tout m'enlever, non? C'est un jeu qui se joue à deux. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est parce que les choses sont comme elles sont. Pas parce que je te détestais. Maintenant, oui, je te déteste parce que tu es la seule chose que je ne peux pas avoir. L'amour de Fernanda, non? L'amour de Louisa, Fernanda. Et je déteste tous ceux qui en profitent. Je veux que tu saches que tout ce que je ressentais pour toi, c'était de la tristesse, pas de la haine. J'avais de la colère parce que tu me repoussais sans cesse. Et maintenant, je ressens de l'amour pour ma fille, qui ne peut pas m'aimer. Il vaut mieux qu'on l'emmène à l'hôpital. J'ai réussi à stabiliser son état, mais à l'hôpital, on ne pourrait rien faire. La seule chose qui a tenu Marissa en vie, c'est Carlos. Et le traitement qu'il a créé. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que j'ai fait à Rosa Fernanda, je le regrette.
Je veux gagner son amour, sa confiance. Je vais chercher Carlos. Non, laisse-moi y aller. Ne t'inquiète surtout pas, ça m'a l'air d'être très risqué. Non, Marco. Toi, tu es docteur, écoute. S'il se passe quelque chose ici, tu es le seul qui peut être responsable. Et tu es le seul à pouvoir t'en occuper. Moi, je saurais pas quoi faire. Fais attention, Fernanda. Je vais chercher Carlos, toi, tu restes ici. Tu auras beaucoup de temps en prison, Luis, pour regretter tout ce que tu as fait à elle et aussi à nous. Ça ne se passera pas comme ça. Je viens pour mes papiers et je ne partirai pas sans. Tu vas devoir me tuer. Ne le touchez pas. N'essayez même pas de le toucher. Luisa, ma fille. Je ne veux pas que tu me vois comme ça, agressif. Pardon. Non, je vous ai toujours vu comme ça. Vous avez toujours été comme ça. La première fois que je vous ai vu, vous m'aviez presque percuté avec votre voiture. Carlos, rentre s'il te plaît, ta mère a besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle a ? Que lui arrive ? Rentre s'il te plaît. Pedro, s'il te plaît, garde ces documents. Oui, ne t'inquiète pas. Prends-en soin, je te fais confiance. Tu es ma fille. Et ton devoir, c'est d'être avec moi. Et encore plus maintenant, parce que ces documents vont me faire couler. Ils vont m'envoyer en prison si je ne les récupère pas, ok ? S'il te plaît. Essaie un peu de mettre la main sur ces documents, si tu es vraiment prêt à la perdre. Ma fille. Écoutez, monsieur, je n'ai jamais été méchante. Mais je vous permettrai pas de jouer avec Carlos. Donc, papa, fais ce que t'as à faire. Moi, je dois aller avec Carlos rejoindre Marissa. À plus. Ma fille. Luisa, ma fille! C'est moi ton père. Mon fils. Maman. Calme-toi, tout va bien aller. Calme-toi. Carlos, je comprends ta douleur. Mais tu es maintenant le seul qui puisse aider ta mère. Mon amour, tiens. Tu dois rester tranquille. Ta mère dépend de toi. Elle a besoin de toi. Et je sais que tu vas pouvoir l'aider. Mais pour ça, tu vas devoir rester tranquille et après tu termineras ce que t'as commencé. Tu peux compter sur moi, mais maintenant la priorité, c'est ta mère. Marco, s'il te plaît, prends-lui sa pression encore une fois. Et son rythme cardiaque. Merci. Je vais à la cuisine pour les médicaments. Maman, écoute bien ce que j'ai à te dire. Je peux appliquer toutes mes connaissances sur toi. Je peux te donner tous les médicaments du monde. Mais je te demande, s'il te plaît, de continuer à te battre comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. S'il te plaît, maman, on est ensemble là-dedans. Allez, je t'en supplie, maman. Je te le demande, s'il te plaît, continue à te battre. Calme-toi, je suis là. Oui, maman. Oui, mademoiselle, c'est véritablement urgent. Je me fiche du prix. J'ai besoin de ce billet immédiatement. Je dois absolument m'envoler ce soir pour Taïwan. Non, mademoiselle. Dans quelle langue voulez-vous que je vous le dise ? Je dois trouver un vol pour ce soir. Un billet pour demain ne me servira à rien. Allô ? Allô ? Ah, quelle idiote ! Qu'est-ce que je fais ? Calme-toi. Pense bien, Luis. Ne tombe pas dans la panique. C'est qui ? C'est moi. Ouvrez la porte. Non. Attendez. Je t'avais averti. Non, je t'avais averti et tu as échoué. Tu es un imbécile. Tu as échoué. Non. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas le moment de se mettre dans ces états. Tout à l'heure... Qu'est-ce que c'est facile pour toi de le dire si tu n'as rien perdu? Tu n'es qu'un mort de faim, tu es inutile. Bon, arrêtez, Montero. Et ne me rejetez pas la faute. Parce que c'est vous qui avez mis le plan en place, c'est vous qui avez décidé de mettre à ma part. Et quand je vous ai dit de vous en aller, vous n'avez jamais oublié de vous en laver les mains. Et bien maintenant, vous devez en assumer les conséquences. J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas avoir confiance en toi. Tu n'es qu'un chien enragé, sans un brin de cervelle. Et tu sais ce qu'on fait aux chiens enragés pour qu'ils ne soient plus contagieux. On les élimine d'une balle dans la tête. C'est que si vous vous calmez, je sais que vous pouvez trouver une solution, patron, vraiment. Ah, vraiment. Je redeviens ton patron maintenant. Tu as juste entendu une balle dans la tête.
et le respect est revenu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Laisse-moi t'aider, Fernanda. Non, Clarita, t'en fais pas. Regarde, je peux le faire toute seule. Il vaut mieux que tu te reposes. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Figure-toi que j'ai parlé avec César aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il était en train de se battre, qu'il veut revenir très vite. Ma fille, Louisa, ma fille, c'est moi ton père. Mon père. Je n'ai absolument aucune raison d'avoir honte, parce que j'ai toujours travaillé pour gagner mon argent, et avec vous, j'ai toujours été loyal. Ne viens pas ici avec ta loyauté, avec ton histoire, parce que moi, de l'argent, je t'en ai mis plein les poches. Et en échange, toi, tu ne m'as jamais donné cette loyauté. Je t'ai seulement demandé de faire quelque chose de bien, quelque chose de vital. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as échoué! N'oubliez pas que votre épouse m'a offert un poste à vie à la banque si je déclarais la vérité. Et qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je suis resté à vos côtés, à l'instar de mes propres intérêts. Tu n'es qu'un lâche. Alors tire-toi d'ici. Non, non, tire-toi. Non, je pars pas. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour vous, j'ai été comme votre chien. Et le moins que vous puissiez faire, c'est me montrer un peu de respect. Ah, bien sûr. Je vais montrer du respect à un incompétent qui n'a pas été capable d'être à la hauteur d'un travail si délicat. Veuillez me pardonner, Monsieur Solorzano. Je vous présente mes excuses et mon respect. Maintenant, tire-toi! Tire-toi! C'est vous, l'ingrat Maître Montero, ou n'importe quel autre nom que vous voulez porter. Et il n'y a aucun doute. Vous méritez amplement tous les malheurs qui vous arrivent. Tu peux remercier Dieu que je n'ai pas beaucoup de temps, parce que sinon, en ce moment, je te réglerai ton compte une bonne fois pour toutes. Et tu sais comment, non? Tire-toi, inutile! Tire-toi! Va-t'en d'ici! Tire-toi! Bonsoir, mademoiselle. Je voudrais vous demander, avez-vous des billets pour Taïwan pour partir dès ce soir? Je ne peux définitivement pas m'en aller ce soir dans un des deux seuls pays qui n'a pas de traité d'extradition avec Mexico. Je peux savoir ce que ça signifie, Monsieur Ordóñez ? Ça, monsieur le juge, c'est la preuve irréfutable des mauvaises manœuvres de Maître Montero à la Banque Métropolitaine. Vous êtes certain de ce qu'impliquent ces documents, n'est-ce pas? J'espère que monsieur Montero ne va pas faire annuler l'affaire encore une fois. Non, monsieur le juge. Nous avons dû récupérer ces documents auprès de lui justement parce qu'il sait que face à eux, il ne peut pas se défendre. Si vous voulez, vérifiez-les. J'espère, monsieur le juge, que cette fois-ci, on obtiendra un mandat d'arrêt pour que ce délinquant n'échappe pas à nouveau à la justice. Oui, si tout est bien dans l'ordre, comme vous l'assurez. Je vais juste avoir l'audace de vous informer, monsieur le juge, qu'à cette heure-ci, le respectable maître Luis Montero doit être sûrement à l'aéroport en train de chercher une solution pour fuir le pays. Bon voyage à vous. Bonjour, monsieur. Puis-je vérifier vos documents, s'il vous plaît ? Oui. Faites ce que vous avez à faire, mais dépêchez-vous, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Bien sûr, monsieur. Je peux partir d'ici. Chaque seconde compte. Voulez-vous enregistrer un bagage ? Non, merci. Voilà votre carte d'embarquement, monsieur Montero. Passez un agréable vol. Merci, c'est très aimable. J'ai presque réussi.
Quelques pas de plus et je serai libre. Monsieur, vous avez quelque chose en métal sur vous ? Ah oui, la ceinture, oui. Allez-y. Oui. Doucement. J'ai réussi. Je suis libre, je suis libre. J'aimerais voir la tête de mes ennemis quand ils vont se rendre compte que tous leurs efforts n'ont servi à rien et que je n'irai jamais en prison.